ça, les gars. Regardez, mec, ça. Oh, 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 putain. Et tu vois, en descendant, ça me l'a pas fait. Je suis descendu plein de bourre. On est sur la route, là, gros. Que les dodanes en plus. La KS18, c'est un bonheur. Bon, après, j'ai pas mes repères, tu vois. Je sors de la V11. Effectivement, c'est totalement différent. Heureusement, j'en ai fait une heure hier parce que j'ai mis bien 20 minutes, une demi-heure à m'adapter dessus. Et encore. Mais là, maintenant, c'est un régal. On va se prendre d'entrée chemin off-road. Qui est ici, là. On va être obligé de la faire passer. Voilà. Regarde-moi ça où ça passe. Ah, c'est un truc de fou. Passe just. Donc on va se mettre quand même le casque là. En off-road. Il y a 2-3 endroits là où il y a vraiment des rochers par terre. Ça là c'est chaud. Mais sinon c'est pas mal comme petit terrain. Oh, tu vois là déjà. Oh là 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 là. Ça monte, hein, c'est un truc de fou. Et crosse. Et crosse le bordel. Maman, regarde-moi ça. C'est des rochers qu'il y a dans la terre. Donc moi j'ai gonflé les pneus à 2,3 bars. Elle est chargée à 100%. Ce que j'adore, c'est qu'il y a une autonomie de malade dessus. Sur les monoroues comparées aux trottinettes, c'est incroyable l'autonomie. Incroyable. Et puis franchement, ça grimpe. Je te mets bien en avant comme ça, ça monte. Hein. Ça a du couple. Hein. Et puis 50 km/h en vitesse de pointe, c'est plus que largement suffisant sur une monoroue, je te le dis. Ça marche vraiment fort. Enfin, la sensation, quoi. Et c'est surtout la sensation que tu as de glisse à petite vitesse, gros. Ça, c'est impressionnant. Tu te crois vraiment au ski, quoi. On dirait que tu fais du ski, que tu sois en off-road ou sur la route. On dirait que tu skis, quoi. D'une limite, tu mets deux bâtons, là. Allez. Mais je me casse la gueule. Il y a trop de gros cailloux. Mais sinon, c'est une tuerie. Hein. C'est vraiment une tuerie. J'adore. Plus j'en fais, plus je deviens accro. Ouais, au final, tu as plus de sensations là-dessus que sur une trotte. Hein. C'est dingue. Hein. Et en allant beaucoup moins vite, tu vois ce que je veux te dire. En fait, tu n'as plus besoin d'aller au sport d'hiver, tu vois ce que je veux te dire. Bah, bien évidemment, si tu as un cadre comme chez nous. Hein. Parce que après, si c'est pour rouler dans un petit village, bon, vaut mieux quand même aller au ski. Mais là, franchement, là, quel régal. Quel régal. Je sais à peine en faire que je me régale déjà. En off-road. Oh là là, ça passe partout, mec. Ça passe partout. Je sais pas si c'est au fait grâce à l'amortisseur, parce qu'elle est super bien amortie. Je préfère quand même l'amorti de la King Song que de la V11. Hein. Alors la V11, j'aime beaucoup, mais la V11, je la trouve moins facile à manipuler, moins joueuse, un peu plus imposante, un peu plus lourde. Par contre, je trouve qu'elle tient mieux la route quand tu sais, je vais rouler sur le goudron un peu vite. Je sais pas, j'ai moins de wobble avec celle-ci. Et je la trouve moins amortie que celle-ci. En fait, comme ils disent tous, hein, ils ont raison. Hein, comme du fait qu'il n'y a que, si tu veux, ta personne qui est amortie et non la roue, et bien effectivement, tu as ce petit rebond qui secoue, en fait. Ça ne fait pas un réel amorti, malgré qu'elle t'amortit à toi. Hein, mais c'est vrai que tu as tendance à ressauter de la roue. Alors que sur celle-là, c'est la roue qui est amortie plus ta personne aussi. Et ça, c'est vraiment nice, parce que ça fait vraiment comme si tu montes genre sur une trotte avec des amortisseurs ou un cross, tu vois, ou un vélo suspendu, etc. Tu as vraiment cette sensation d'amorti réelle, tu vois, toi et la roue. Ça, déjà, c'est un plus pour moi sur la KS. Après, voilà, niveau design, alors, mis à part l'amortisseur qui fait hyper dégaine à l'arrière, que je surkiffe totalement, qui fait un peu sport agressif, tu vois. Mais si tu la regardes comme ça, de côté, je préfère la V11 en esthétisme.
je la trouve plus sobre, tu vois, plus simple, plus sobre, avec ce phare xénon à LED là. Mais regarde la montée, parce que là tu t'en rends pas compte avec la GoPro, mec. Mais c'est une sacrée montée là. Je sais pas si tu t'en rends compte, j'arrive à la montée. Je me penche en avant, mais c'est hyper coupleux, quoi. Froid que sur du goudron lisse. Hein. C'est là, des fois, tu prends des cailloux sur les côtés, si tu mets un peu la roue en travers. C'est du sport, hein, en froid. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, depuis que j'ai goûté à la roue, les gars, c'est un pur régal. Je sais, vous avez été nombreux à l'époque à me le dire. Crame tout, mets-toi à la roue, mets-toi à la roue, tu vas kiffer. Eh ben, franchement, les gars, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de kiffer grave. Parce qu'en plus, comparé aux autres trucs que je prends, que ça soit la trotte, encore je peux pas trop comparer la trotte, mais tu vois, plus par exemple un Suron, tu vois, le Suron, pour moi c'était mon produit phare, le Suron. Le Suron, tu vois, tu es obligé de le prendre, le modèle off-road, à part si tu as un modèle homologué, mais déjà, modèle homologué, tu n'as pas les pneus off-road, tu n'as pas... Puis je trouve sa gueule moins jolie que le modèle off-road. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ce qu'il y a, c'est que tu es obligé de le charger dans le camion. Tu vois ? Le charger dans le camion, l'amener à un point, partir faire donc ton trip. Tu rentres, il est tout dégueulasse, il faut aller au Karcher, il faut aller le laver. Après, le recharger dans le camion, le redécharger au garage. Là, tu sais quoi ? Ça prend tellement pas de place et que ça a tellement d'autonomie. C'est ça que je surkiffe dans la roue. C'est que tu prends ta roue, tu la recharges à la maison, parce que déjà ça prend pas de place. Tu pars de chez toi, tu viens ici, comme là je viens de faire, tu vois, je prends la route et tout, normal, tranquille, pépère. Et ça a tellement d'autonomie que du coup j'arrive au point, au spot, je me fais tout mon petit délire, mon off-road, parce que c'est avec celle-ci hier que je suis parti ici dans la colline. Là, j'ai tellement kiffé que je me suis dit, je vous le refais en vidéo. Mais en fait, c'est ça. Je suis parti là-bas, gros, de la maison. Tranquille, hop, je suis monté tout en haut. Je sais pas si on va le voir là, mais pour vous donner une idée, hein, pour vous donner une idée, vous allez halluciner. Vous la voyez la colline en haut là, toute cette grande haute colline, ben, je suis monté tout en haut hier. Truc de fou, avec ça mec. Et je suis parti de chez moi. Donc ça a tellement une autonomie monstrueuse et pas de gain de place et tout, c'est un truc de fou. Tu pars de la maison, tu vas à ton spot, tu vas kiffer 2-3 heures en off-road, tu vois. Et tu rentres chez toi et il te reste encore limite de la batterie, tu vois. C'est un truc de fou. C'est exceptionnel, les gars. Exceptionnel. Et moi, je me régale. De plus en plus, plus j'en fais, plus je me régale. Donc, n'hésitez pas à franchir le pas, les gars. En tout cas, je tiens vraiment, vraiment à remercier Urban360.es, donc Urban360 Espagne, car c'est eux qui m'ont encore envoyé cette roue. Franchement, les gars, vous vous assurez, c'est simple, en 2 semaines, c'est la 3e roue qu'il m'envoie, les gars. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé la V11, il m'a envoyé la King Song, celle-ci, donc, la S18, et il m'a envoyé, là, que j'ai reçue aujourd'hui, d'ailleurs ce matin même, la Emotion V10F, celle où j'ai appris à faire mes premiers tours de roue dessus. Mais je l'adorais parce que celle-là, tu vois, pour la ville, je pense qu'elle va être terrible, la V10F. Parce qu'elle est vachement légère à porter, à transporter. Elle est facile aussi à guider, tu vois, comparé à quand après je suis passé sur la V11. Oh là là, le tank d'un coup, c'était hyper dur pour moi de commencer là-dessus, tu vois. Alors que la V10, je l'avais tout de suite pris en main. Hein, une demi-heure, hop, j'en faisais, je roulais à fond et tout déjà avec. Et j'ai trouvé ça, même si j'avais du wobble, je trouvais ça super délirant. Et en plus, elle a la musique. Et moi, j'adore rider en musique. J'adore ça. Donc celle-là, tu vois, je sens qu'elle va me plaire. Là, aujourd'hui, elle est en charge à la maison. Je l'ai gonflée, je l'ai mise en route. Et voilà, hein, prochaine sortie, je vais la prendre pour aller me faire un petit tour en bord de plage, tu vois, en ville, quoi. Mais là, pour le off-road, franchement, la King Song et la V11, je trouve... En off-road, c'est là où je trouve la King Song plus joueuse et plus maniable, en fait. Parce qu'elle est quand même plus petite, je trouve, que la V11 en jambes. Quand tu l'as dans les jambes, elle est moins mastoc, moins lourde, elle est plus joueuse, elle est plus légère. Et c'est ce qui me plaît vraiment sur la King Song, pour quand tu vas te taper comme là, un peu du off-road, un peu des bosses, un peu des caillasses et tout. C'est vraiment kiffant. C'est vraiment kiffant. Voilà l'équipe, je pense à peu près vous avoir tout dit sur mon ressenti en off-road, même si je débute. Bah, j'ai quand même de l'expérience dans la trotte, c'est totalement différent, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même le monde de l'électrique, tu vois ce que je veux dire.
J'ai testé de tout, moi, des skateboards, des trottinettes, voilà, là je suis à la gyro-roue, des surans. J'ai toujours été dans le... De toute façon, c'est une de mes passions, en fait, le deux roues électrique, ou le deux roues thermique, hein, peu importe, la moto et tout. Depuis tout petit, j'adore ça. C'est une de mes passions, comme j'en ai d'autres, hein, de toute manière, que au fil du temps, je mettrai sur ma chaîne. Mais voilà, c'était pour vous faire un peu mon petit retour. Même que si je suis en train d'apprendre, je vois quand même, vu que ça fait longtemps que je teste des trucs, je vois tout de suite les différences, tu vois, quand je les ai en jambes. Et voilà, les gars. Sur ce, n'hésitez pas, ceux que ça intéresse, à se mettre à la gyro-roue. Vous avez droit au code CRAMTOO chez Urban 360 Espagne, avec un code réduction CRAMTOO. Vous avez aussi Teco Wheel. Vous pouvez, pour ceux qui veulent commander que en France, vous avez le site Teco Wheel qui font ça aussi avec le code CRAMTOO aussi. Et voilà l'équipe, hein. Regardez, le soleil arrive, c'est magique, magique. Sur ce, je vous dis un énorme merci à vous pour votre soutien. Plein de nouveautés qui arrivent sur la chaîne. On va tester aussi d'autres trucs parce que j'ai plein d'autres passions, comme la musique et tout, mais ça viendra plus tard. Mais voilà l'équipe. Et puis sur la team, on arrache tout à mono roue. Hein. Tu vois, ça arrive aussi, gros. On arrache tout en deux roues, on arrache tout à mono roue. Hein, tu le sais. Hein. Bon, sur ce, on va monter. Aussi, je vais essayer de vous monter tout en haut, là où j'étais hier. Parce qu'il y a des paysages magnifiques, c'est une dinguerie. Et je vais vous montrer qu'en mono roue, on peut faire pas mal de choses. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'avec une petite trotte, là où je passe en mono roue, ben, tu peux pas. Je suis jamais monté en trotte là-bas en off-road, où je vais vous mener. Et en skateboard, pareil, c'est trop en fait, il y a trop de gros reliefs, tu vois ce que je veux te dire. Et les petites trottes, à part les monstres, elles passent pas non plus. Ou alors tu vas la fumer, arriver en haut, aller fumer, mais c'est surtout que tu n'auras jamais assez d'autonomie pour faire l'aller-retour. Et là, vous allez voir que malgré l'aller-retour, plus en partant de chez moi, ben, l'autonomie, il en reste encore sous le capot. Là, tu veux descendre doucement une pente, pas de problème, tu te mets légèrement en arrière. Ça va tout seul. Tu te cales à 5 km/h. Les applications, elles sont magnifiques. Alors que ce soit sur Emotion ou Kingsong, moi j'aime bien les applications comme ça. Tu vois, limite, c'est mieux que sur les trottes. C'est plus fini et mieux fait que sur les trottes. C'est un truc de fou. Hein. Bon, les trottes sont en train d'arriver là, avec les nouveaux compteurs, les machins, mais quand même, hein, depuis le temps, il était temps. Tu passes pas avec une monoroute, tu passes, viens. Hop! Avec un cross machin, tu passes pas là. Voilà. Et maintenant, je suis sur la route. Ah, mais c'est dingue. Bah, après, tu me diras, c'est Marseille bébé, hein, aussi. Sérieux. Eh oui, tonton. Eh bien, je passe par le off-road. Ouh! Oh, le saut. Ah, mais tu peux même sauter les trottoirs et tout, c'est méchant. Mais... Et puis, tu vois, passer des trucs comme ça, c'est chaud pour moi parce que je l'ai pas encore en main, mais. Tout le temps, tu remarqueras que quand tu suis un trottoir, à un moment ou à un autre, tu verras qu'il y a des endroits où tu peux passer. Donc au final, c'est pas gênant, tu vois. Tu vois, des trottoirs hauts, tu les prolonges, et automatiquement, tu vas voir qu'au bout d'un moment, hop, tu as le trottoir, il est beaucoup plus bas, et là, tu peux passer en monoroue. Donc en fait, ça gêne en rien, tu vois. C'est trop méchant, trop méchant. Bon, allez, on va se voir ça de plus près, là. Bouhou ! Tu vois ? Là, je dois être à quoi, 30, 35, mais c'est un régal, mec. C'est un régal, tu as des sensations de glisse. Tu vois, j'ai la même sensation à 30 que si j'étais à 60 km/h en trottinette. C'est un truc de fou. C'est excellent. Donc, tu n'as pas besoin de rouler vite pour te faire plaisir. Et c'est ça qui est kiffant. C'est ça qui est kiffant. Après, c'est vrai que la différence avec la trotte, bon, après, c'est tellement rare aussi de voir des mecs en monoroue. C'est vrai que les gens, ils te regardent et ils te prennent un peu pour un extraterrestre, tu as vu? On dirait un peu un débile dessus, mais à fond, je comprends pas, gros. Mais c'est parce qu'ils sont pas au courant, en fait. C'est pas encore démocratisé, on va dire. Et aussi, ils savent pas le plaisir que c'est de rider avec ça, tu vois? Comme si tu étais au ski, quoi. Mais c'est vrai que les gens, ils te regardent, limite ils ont un sourire en coin, tu sais? C'est des fadas, c'est... J'ai envie de descendre de la monoroue, de les tarter, y'en a. Tu me prends pour un gag ou quoi? Ah, you là? Bah, du coup, on va se taper la route, tant pis. Tu vois, t'as vu? C'est un truc de fou, c'est. Le mec, il te regarde, il croit que tu es un gag. Ils ont pas compris que c'est la bûche, en fait. Tu as les mains libres et tout, ça, c'est top aussi d'avoir les mains libres.
Ah non, je te jure, mais les bosses et tout qu'il y a, on dirait que tu es au ski, gros. Ouh. C'est du délire aussi. Oh, il y a le chien, il t'attaque, gros. Oh, vite. Tu as vu ça, mais regarde-moi ça. Regarde les terrains, les chemins que je te prends, gros. Regarde-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Oh, les grosses bosses. Il y a des rochers, mais où je passe? Carrément, je passe. Aïe, là, je crois que je vais me casser la gueule. Eh ben non. Mais est-ce que j'ai sauté? Vous allez voir, c'est magique. Et là, je fais du kilomètre. Vous allez voir, arriver en haut. Je vous l'ai montré sur la caméra de loin. Eh ben, je vais arriver tout en haut, là-bas. Vous allez halluciner, les gars. Oh, j'adore. C'est trop kiffant. Ouh. Eh, merci, Tonton. Oh. Regarde où j'arrive en monoroue, gros. Mais regarde ça, gros. Regarde-moi ça. Pleure. Bon, après là, on ne peut pas aller plus loin. Parce que c'est que des marches. Et alors là, tu peux monter tout en haut et tu domines tout. Ben voilà l'équipe, je vais essayer de descendre maintenant en bas dans les calanques de Sugiton. C'est pas à côté, les gars, mais c'est le petit chemin qu'on voyait d'en haut que j'ai filmé. Et franchement, ça amène à une mini plage. C'est magique. Seulement, je crois qu'à un moment, tu es obligé de passer à pied. Même en moto et tout, tu peux pas. Mais c'est nice. On dirait que tu fais des kilomètres à l'infini avec une monoroue. C'est incroyable, l'autonomie. Voilà, le seul inconvénient, mais bon, et encore que c'est pas un inconvénient, parce que entre autres, c'est pareil. Si tu suis la réglementation, tu n'as pas le droit non plus. Mais le seul inconvénient, c'est que c'est un engin individuel, en fait. C'est un engin de déplacement perso. C'est le seul truc, c'est que tu peux pas chaler. Mais alors tout le reste, c'est que du bonheur. Ouh. Oh. Allez, là on va passer, on va descendre. J'espère que c'est ce chemin-là, j'aurais dû demander, tiens. Je me souviens même plus. Oh. Il y a tellement de chemins ici. Après tu me diras, tous les chemins mènent à Rome, hein. Tu le sais, bébé. Hey, t'es en forme, hein. Aïe. Ah ouais. Oh putain, j'ai failli tomber. Mais ça va, on l'a tenu. Oh putain, non, qu'est-ce que c'est, bon. Oh, ça part, mais c'est trop méchant. Je te jure, ça passe partout, mec. Mais tu as vu comment il guidonne de fou, là. Dès qu'il y a des petits trous et bosses, là, sur le goudron, ah, j'ai un guidonnage, mais de psychopathe, gros. Dans la descente. Oh, on est descendu tout en bas, mec. Là, tu as plus d'une heure de marche ici. Hein. Une heure et demie, même, je crois. Bon, nous, on est monté en 10 minutes, quoi. Et sans forcer. Parce que je suis pas très habile encore dans les montées. Ah, oh, comme ça résonne. Et comme ça tue, gros. C'est magique. Alors regardez-moi ça, les gars. C'est pas magique. Magic Land. C'est fou. Où tu vois des cadres comme ça, mec? Où? À part dans les îles. Nulle part, gros. Ça, c'est du putain de vlog, les gars. Gotta go harder. Oh, you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you.
house a pressure fire, baby, let it burn. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. No playing games. You gotta be true, true, true. You gotta be. Je crois que tous les wheelers, ils aimeraient être là. Tous les wheelers. Putain, j'hallucine encore, hein, l'autonomie, 91% il me reste. J'ose même pas imaginer la Emotion V11 qui a encore plus d'autonomie que celle-ci. Mais bon, ça doit être dingue, dingue à parcourir. Regardez-moi ça. J'ai touché le cache. J'ai touché la pédale, gros. Ah putain. Et tu vois, en descendant, ça me l'a pas fait. Je suis descendu plein de bourre. Mais pour te montrer, qu'on voit pas en vidéo, mais c'est monstrueux en fait. C'est vraiment des caillasses, gros. C'est pas des petits cailloux de fatigué, tu vois. Bah, essayer de repartir dessus. Ça c'est du bon, tu le sais bébé, hein. Ah, je vous laisse un peu profiter. Je vous ramène le soleil et la bonne humeur, moi. Vous le savez les amis. C'est magique les gars, magique. Bon, allez, en l'espace de 1 km à 2 km. Je sais pas, tu passes de la mode mer far west aux collines avec les arbres. C'est dingue, dingue. On dirait que tu as changé de pays, tu sais. Oula, ah non, je connais pas du tout là, je crois que je me suis perdu les gars. 282 casques, c'est. Oh, je sais pas où je suis gros. Je sais pas où je vais gros. Parce que franchement, en quelques heures, recevoir trois roues, en quelques heures, en ayant quoi, j'ai peut-être 6-7 heures de roues, partir comme ça d'entrée sur des chemins off-road, tenir dessus, faut quand même avoir les couilles, je pense. Peut-être je me trompe, hein, mais je pense pas. Il y a le détecteur automatique, il y a la lumière qui s'allume automatiquement, ça c'est nice aussi. Tu n'as même pas besoin d'y penser et tout, ça s'allume tout seul, et ça c'est cool. Ça me plaît. Ben, les gars, je crois qu'on est vraiment perdu là. Hein. Je crois que je suis vraiment, vraiment perdu. Et tant que je rentre demain matin chez moi, gros. Wow, regarde ce que j'ai pris, gros. Attends, regarde. Oh, ça m'a décalé la roue carrément. Elle s'est envolée, la roue. Wow. Que pas ça? Tu es perdu ou quoi, tonton? Non. Eh ouais, je fais des vidéos, gros. Sur YouTube, c'est quoi ta chaîne? Crame tout. Hein? Crame tout. Attends, fais un screen. Attends, vas-y. Parle en face de la vidéo. K-R-A-M-T-O. Dans le vlog là? Ouais. Eh ouais, tu es dans le vlog. Ouais. Gamberge. Le 9e, le 9e! Ouais! Eh ouais, la bûche. Le 15e. Hayoula. Le 13e. Comment c'est écrit? Crame tout, K-R-A-M-T-O.
Dédicace à Gomberge. Non mais juste, tu vois là, la lune, ça se voit, il coûte cher. Mais ouais. 2000 euros. Eh oui, gros. On voit pas un peu des cailloux du de balcon, gros. Ciao, les gars. Ciao, gros. A plus. Ciao, merci aussi. Mais voilà, vite, Toto, vite, la lumière, elle s'allume. Let's go. D'entrée. Eh ouais, vite, t'as marché. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est reparti. Voir un peu comme elle éclaire dans le noir complet, franchement ça le fait, ça le fait. Même sans lumière, sans lampadaire, on voit quand même le chemin. Et ça c'est cool. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous pour votre soutien. Et peace la team, on arrache tout en fraude, hein, tu le sais bébé. Bon les amis, regardez, je viens de rentrer à la maison. Au compteur, 63 km. 63 km, donc je sais plus combien... Je vous avais dit, j'étais à 24 ou 26, je sais plus. Bon, enfin, bref. Il me reste 63-64% de batterie. Gros. 63-64%. C'est dingue. Je crois que j'ai fait combien, là? J'ai fait 40 bornes, à peu près. Truc de fou. Truc de fou. Allez, peace, là-dessus.